Yo tout le monde. J'ai fait pas mal de parties en classique et j'ai vu que les gens ne choisissaient pas leur ligne. Ils ne savaient tout simplement pas où aller. Donc c'est simple, une fois que vous êtes dans la section des persos, là il y a tous les joueurs, vous êtes dans la section des persos, vous allez sur Battle Prep, donc vous appuyez sur ZL, là vous arriverez là où il y a la battle item, etc. Ça vous connaissez. Tout en bas il y a Map Pass. Bon, mon accent anglais pourri, je vous le dis tout de suite. Une fois que vous êtes là, vous allez arriver sur cette page et vous allez pouvoir choisir votre lane. Sauf qu'il va vous mettre la ligne recommandée par votre Pokémon. Donc Pikachu c'était le top par exemple. Dracaufeu c'est la bot lane. Et en gros là vous choisissez là où vous voulez aller. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la ligne recommandée. Mais au moins vous savez que Pikachu c'est sa ligne recommandée, c'est le top par exemple. Et ça pour chaque Pokémon. Donc vous n'êtes plus perdu à savoir. Ah merde mon Pokémon va où? Je sais pas. Donc je prends là. Et puis voilà. Donc là au moins. Tout est structuré en début de partie, c'est le mieux pour gagner. Parce que honnêtement, ça fait un bordel en début de partie. Et du coup, on fait perdre du temps toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'on perd. Parce que le début est super important pour prendre l'XP avant les autres, etc. Et là, généralement, bah, il y en a un qui doit changer de ligne. Ça nous est déjà tous arrivé de changer de ligne. Parce que la personne n'a pas choisi sa ligne. Et bah, elle choisit une ligne au hasard. Et du coup, bah, nous, on change de ligne. Parce que là, tu te retrouves tout seul au bot, par exemple. Ou tout seul au top. Donc c'est super important de le faire. Et honnêtement, ça va vous changer la vie, et puis vous aurez votre ligne surtout. Et savoir la ligne recommandée, c'est super important aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.